Bon, re-bienvenue dans ce nouveau épisode de Resident Evil Code Veronica sur la Dreamcast. Et c'est Lumi, et continuons d'où nous sommes arrêtés la dernière fois. J'ai rien, donc on a fait une sauvegarde. Donc retournons-y, ici. J'ai oublié un truc. D'abord... Ouais, d'accord. Ouais, je dépose le ruban creur. Puis je retourne prendre la mallette. Voilà. Voyons voir ce que la mallette. Examiner. Ouais, on l'ouvre. D'accord, on a trouvé ça. Oh, j'ai pas besoin de lire ça. C'est un métal détectable, donc on peut y aller. Si vous rappelez de la machine pour faire la reproduction de la médaille, c'est là qu'on va utiliser. Ici. Voilà. Et utilisons-le. Excellent. Duplication complète. On obtient une spéciale alloy emblème. Un emblème spécial. Oula, les zombies sont entrés. Mince. Je suis passé sans être vu. Oh, mes pistolets. Oh là là, j'en ai pas beaucoup. Donc. Voyons voir si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le briquet. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Je m'équipe avec le pistolet. Pardon. Voyons voir. Maintenant, on doit retourner vers la porte qui était scellée. Oh mince, laisse-moi. Putain. C'était si difficile que ça. Et encore, je dois faire attention avec les chiens. Je voudrais pas perdre ma munition avec eux. Et hop, on fait du zigzag, des slaloms. Raté. Oula. On l'a échappé de justesse. Voyons voir. Oula. Maintenant on peut utiliser l'emblème ici. Voilà. La porte maintenant est ouverte. Voyons voir. Je dois faire attention parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Donc je veux pas risquer beaucoup. Surtout que j'ai pas beaucoup. De soins pour me soigner. Bon, voir, je peux pas y aller par ici, donc je descends. J'y vais par là. Ah, je vois des balles de munitions. Faut pas que je rate ça. Bon, voir. Des balles de munitions. Ça fait toujours plaisir. Et je me rappelle bien que j'ai vu des herbes. Voilà. Excellent. J'emporte une deuxième. Et je mélange. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant je dois pousser sur tout moi. Ou bien
Comme ça, on peut passer le feu sans se faire de mal. Ah non. Pousse, pousse. Voilà. On peut y aller maintenant. Et on escalade. Ah. Déjà pas mal. Ah, il y en a beaucoup de zombies. Je dois faire attention. Ah, mince. Ah. Pas le temps de perdre avec eux. Il y a des chiens. Mince alors. Faut que je me soigne. Ah, je suis à l'état critique. Ah, une herbe. Ah, il y a quelque chose par ici. Oh là, il a sauté au-dessus de moi. Oh là, faut que je monte. Il y a une herbe ici, je crois. Voyons voir, on l'utilise, ça tombe bien. Ah mais, lasse-moi, sac à puce. Oula, j'aime pas les chiens. J'aime pas les chiens. Voyons voir. On dirait bien une manoir. Ah, ça me rappelle Resident Evil 1. Le fameux manoir de... d'Umbrella. Voyons voir ce qui est pas ici. Il y a des balles de munitions. Je suis preneur. Qu'est-ce qu'il y a, un ordinateur ici? Oh, j'ai pas d'idée. Ok, voyons voir. Trompe pas ici. Déjà le manoir, ça m'inspire pas beaucoup de sécurité. Ah, il y a les chauves-souris. Vaut mieux que je m'équipe avec le briquet. Comme ça, il faut pas m'approcher. Et là, un spray désinfectant. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, une mallette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je vois. Je peux pas l'ouvrir pour le moment. On va voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Ah, des balles de munitions. Ah, les chauves-souris, faut pas s'y fier. Ils sont vraiment ennuyeux. Voyons voir s'il n'y a pas ici. C'est fermé électroniquement. Je crois bien que ça a rapport avec cet ordinateur. Mais bon. Voyons voir ce qu'il n'y a pas ici. Il y a une porte. Voyons voir. Ah, une salle de sauvegarde. Il y a un livre, un manuel, je sais pas. Ah, j'ai pas besoin de lire ça. Voyons voir s'il n'y a pas ici. Je me rappelle bien qu'on doit pousser quelque chose par ici. Voilà. Et hop, qu'est-ce que c'est? Ah, une carte d'idée. Voyons voir une herbe verte. Oh, je suis preneur. Ah, je peux pas ouvrir ça pour le moment. Bon, on va voir. Ah, des balles de munitions. Ça tombe bien. Pardon. Si je... Ok. Déposons quelques objets pour... parce qu'on en a
pas besoin pour le moment. Celui-là. Voyons voir. La mallette. Le spray. Voilà, je crois qu'on est bon là. Ok. Ah, le ruban encreur, faut pas l'oublier. Et en même temps, je vais faire une sauvegarde rapide. Oh là là. Ouais, je sauvegarde ici. De toute façon, on aura encore plus de la place plus tard. Vous verrez bien. Si je dis ça, c'est parce que j'ai fait l'enregistrement à l'avance. Maintenant, on peut sortir par ici. Allons utiliser la carte ID pour l'ordinateur, comme ça on verra bien ce qui va se passer. Pourquoi je tourne avec le briquet? J'ai oublié. Voilà qui est mieux. Pas mal de munitions pour le moment, hein? Voyons voir. NTC 03 94 où est le N? NTC 0 3 9 4 Voilà. Ok, j'en ai plus besoin. Donc, allons sur cette porte qui s'est ouverte. Oula. Je veux pas prendre de risques. Ah, raté. Une herbe rouge ici. Voyons voir. Et si je la mélange? Voilà. Comme ça, nous aurons plus d'espace. Et allons par ici. Première porte comme ça. Voyons voir. Ah, des balles de pistolet. Ça fait toujours plaisir de revoir. Ok. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Ok. Apparemment, non. Ah, tiens. Oui, je presse le bouton. Ah! Une science de film, comme un Megarama. Allez, popcorn. Dégueulasse ce que tu fais, c'est malsain. Oh putain, t'as un visage diabolique, toi. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, mais c'était pas gentil de ta part, c'était pas bien. Oula, j'aime pas cette pose. On dirait bien qu'ils ont des choses très communes entre les deux. Voyons voir. Ah. Bien vu.
Mince! Oh. Ah, d'accord. Donc on peut pas les prendre pour le moment. Ah. C'est pas grave. On y reviendra plus tard. Parce que je me rappelle bien, il y a une porte. Oula. Voilà, c'est bon. On est passé par cette porte? Ah, on peut pas y entrer maintenant. Bon, retournons-y. Je crois bien qu'il n'y a plus rien à faire ici, donc. Hein? Voyons voir. Je crois bien que c'est par ici. Ah oui, je me souviens. C'était par ici. Pardon. Je tousse beaucoup. Ah, il est là. When two pairs complete, my anger will subside. Ok. C et E. Ah voilà. That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Quel sale morveux il est. On le sauve et il ne dit même pas merci. Ok. Mais bon, pas la peine de s'en soucier. Ok. Il y en a deux. J'ai pas vu. Mais bon. Sortons d'ici pour le moment. Oula. Hey! Redfield! How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base! I have no idea what you're babbling about! You don't fool me! I am Alfred Ashford, commander of this base! Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me,
Who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Mais quel culot il a. Sûrement, il est gay. Suivant, vu sa façon de parler. Bon, je crois bien que je devrais mieux aller sauvegarder. Parce que comme vous savez, sur l'émulateur de Dreamcast, il n'y a pas de save state, c'est-à-dire des sauvegardes rapides. Donc, je ne veux pas prendre de risque que, par exemple, il y a un crash de l'émulateur ou quelque chose de comme ça, une coupure de courant. Je garde ça, je prends le ruban encreur. Voilà. Et je sauvegarde. Bon, je crois bien que c'est tout pour cet épisode. Et à la prochaine fois, je vous revois. Et on va partir vers une autre direction hors de ce manoir. Sur cela, je vous dis salut.